La Ryder Cup passée, on pense déjà à la suite dans les Yvelines. La Fédération Française de Golf, la Direction des Services de l'Éducation Nationale et les élus ont inauguré lundi deux nouvelles sections golf dans les collèges. De nouvelles classes qui répondent à la logique de démocratisation de la discipline lancée dès 2008. Nous étions un peu dans un paradoxe finalement dans le département, avec près de 32 sites golfiques et puis aucune section sportive scolaire. Donc aujourd'hui nous en sommes à deux, nous comptons évidemment prolonger cette dynamique. Le golfeur professionnel français Michael Lorenzovara est le parrain de ces sections yvelinoises. Une quarantaine de collégiens de tous les niveaux peuvent dès à présent bénéficier de 3 heures de golf par semaine. Mais nos athlètes et champions de golf de demain sont là. Et lorsque je vois ces jeunes naturellement avoir un bon swing de golf, taper dans la balle avec beaucoup de naturel, je suis content qu'ils découvrent enfin notre sport. Avant d'en faire des champions, l'objectif est surtout de démocratiser la pratique. La section sportive leur ouvre la voie à la licence UNSS. Des heures d'entraînement supplémentaires le mercredi pour les plus motivés et des compétitions. C'est des élèves qui, dans l'ensemble, sont assez attentifs et qui ont envie de progresser parce que c'est vraiment basé sur la motivation. À partir du moment où un élève est motivé, il réussit plus vite que n'importe quel autre élève. L'éducation nationale s'est fixée pour objectif l'ouverture de 4000 sections sportives supplémentaires dans toute la France d'ici 2024.